Connaissez-vous l'origine du terme « bouc émissaire » ? Dans le Lévitique, il est dit qu'Aaron, le frère de Moïse, choisira entre deux boucs qu'on aura apportés pour être sacrifiés. L'un sera pour Dieu, l'autre pour Azazel. Celui qui est désigné pour être sacrifié à Dieu est immolé, et son sang sert à l'expiation. Quant à l'autre, Aaron lui pose ses deux mains sur la tête et confesse tous les péchés du peuple d'Israël. Le bouc est ensuite envoyé dans le désert, à Azazel. C'est ce qu'on appelle la fête de l'expiation, célébrée le 10e jour du 7e mois de l'année. Mais qui est donc Azazel ? On trouve plusieurs origines à son nom. Dieu a rendu fort, par l'utilisation de la racine Azaz à la troisième personne du singulier, et de El, qui signifie Dieu. Mais une autre traduction est plus susceptible d'être la bonne. Il proviendrait du terme Azel, qui signifie retirer. Azazel signifierait alors retirer entièrement. Et en suivant la tradition de la fête de l'expiation, enlever tous les péchés. Ça fait sens. Il porte également le nom d'Azaël dans d'autres textes. Dans la tradition acadienne, Azazel est l'un des Maskim, l'un des sept princes de l'enfer. D'après le premier livre d'Enoch, c'est l'un des chefs des anges rebelles. Voyant de très belles femmes sur terre, Azazel et ses frères décidèrent de descendre et copulèrent avec. Et ils donnèrent naissance à des géants, les Néphilim. J'ai fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à aller la voir. Azazel a aussi enseigné aux hommes à forger des armes, des armures, à fabriquer des bijoux, des bracelets, des parures, en taillant des pierres précieuses, et à confectionner du fard à paupières et des teintures. En bref, il a appris aux hommes comment faire la guerre, comment se pomponner et se balader avec tout plein de bijoux. Tant de péchés appris par un seul ange, c'est beau! Pour avoir perverti les hommes et créé les monstres assoiffés de sang que sont les Néphilim, Dieu décida de tuer tout le monde avec le déluge. Tout le monde, sauf Noé et sa famille. De plus, il envoya les trois archanges Gabriel, Raphaël et Michael pour faire un peu de ménage et s'occuper des anges rebelles. Raphaël fut chargé d'enchaîner Azazel, de le couvrir de ténèbres, puis d'ouvrir un abîme dans le désert de Doudael et l'y jeter dedans, et de lui jeter des cailloux à la gueule. Il y sera enfermé jusqu'au jugement dernier, et il sera condamné pour les méfaits qu'il a commis. Pour toutes les sciences qu'il a enseignées aux hommes et qu'il n'aurait pas dû. Sa sentence est d'être envoyé dans le brasier et de brûler pour l'éternité. Depuis, il est considéré comme le démon du désert. Dans le troisième livre d'Enoch, Azazel, sous le nom d'Azaël, est l'un des trois anges de bonté avec Aza et Uza, et qui vivent dans le septième ciel, le plus haut des ciels. Pour avoir enseigné aux humains la sorcellerie, leur permettant de faire descendre du ciel le soleil, la lune et les étoiles, afin d'en faire des objets de vénération plus proches, ils sont condamnés à se faire percer le nez. Terrible punition ! Bien qu'Azazel soit enfermé dans le désert, il a sous ses ordres un grand nombre d'esprits, les Seirim, des démons-chèvres que l'on peut rapprocher aux satyres. Il est également appelé le prince des animaux maléfiques vivant dans le désert, et le souverain des boucs dans Isaïe chapitre 13 et 34. Et c'est dans ce désert où il vit à présent qu'il a tenté Jésus pendant 40 jours et 40 nuits. En effet, dans le Nouveau Testament, dans le 4e chapitre des évangiles de Marc et Luc, Jésus se balade dans le désert, et là-bas, il se fait tenter par Azazel. Celui-ci lui fait passer trois épreuves. La première, transformer des pierres en pain pour qu'il puisse se nourrir, et prouver qu'il est bien le Fils de Dieu. Mais Jésus lui répond, « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Deuxième épreuve, Azazel le transporte en haut d'un temple et lui dit de sauter. « Car si c'est bien le Fils de Dieu, alors des anges viendront le sauver. » Mais Jésus lui dit, « Tu ne tenteras pas ton Seigneur, ton Dieu. » Troisième épreuve, Azazel le transporte au-dessus d'une montagne et lui montre tous les royaumes du monde et toute leur gloire. Et il lui dit qu'il les lui offrira s'il se prosterne devant lui. Mais Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est dit, tu rendras honneur au Seigneur, ton Dieu, et tu ne serviras que lui. » Vous l'aurez compris, Jésus est pas très drôle et un peu relou. Du coup, Azazel le laisse et se barre. Il est un peu saoulé. Cela dura 40 jours et 40 nuits, et tout ça sans manger ni boire. C'est seulement après qu'il commença à avoir les crocs. Depuis qu'il est déchu, Azazel apparaît sous les traits d'un homme nu, barbu, assez musclé, avec deux petites cornes, accompagné d'un bouc et portant un trident. Mais dans l'Apocalypse d'Abraham, Azazel apparaît de deux façons différentes. La première, comme un oiseau impur descendant sur le sacrifice qu'Abraham avait fait. La deuxième est celle d'un serpent avec des bras et des jambes d'humain, ainsi que 12 ailes sur son dos. De cette description, certains rabbins associent Azazel et le serpent qui tente à Ève. Dans la tradition islamique, il est possible qu'Azazel soit le même qu'Azazil, l'ange qui est devenu par la suite Iblis, le Lucifer du Coran,
bien que certains disent qu'il n'a jamais été un ange, mais que c'est le premier djinn à avoir été créé. Azazil, refusant l'ordre d'Allah de s'agenouiller devant les humains, des êtres de terre alors que lui est fait de feu, plus pur, se voit alors puni et est banni du ciel. C'est ainsi que se termine ce reboot d'Histoire de démons, j'espère qu'il vous aura plu. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner mais surtout à partager la vidéo, et sur ce je vous dis, à la prochaine.